Bonjour à tous, c'est Mickaël, Mickaël Ballot Formation. Alors comme d'habitude une petite vidéo, et là une vidéo un petit peu spéciale. Vous pouvez voir que je suis un petit peu dans les bois, tout autour. Voilà, je suis en petit week-end, une nuit, dans un endroit où j'ai déjà été. C'est vraiment sympa, c'est reposant. Donc à ma petite femme, pour regarder, regardez ça derrière, hop. Donc c'est une cabane dans les arbres. Donc c'est vraiment, vraiment top. Hop, vous pouvez voir tout ça derrière. Ici là, regardez, hop, on y va. Tout à l'heure, on se les fait, c'est vachement sympa. Chose que j'ai à la maison, un petit spa, donc de place. Juste pour vous dire, donc faire cette vidéo, c'est pas pour dire ouais voilà, je vais dans un super truc sympa. C'est juste pour vous dire qu'il y a quelques années, ça, je l'aurais jamais pu le faire, me s'offrir une nuit comme ça, parce que voilà, c'est vraiment c'est pas donné. Mais bon, tout travail mérite récompense. Donc voilà, pendant tout ce confinement, j'ai beaucoup bossé. Donc il faut savoir se faire un petit cadeau. Voilà, tout simplement. Se faire un petit cadeau, se faire plaisir, recharger les batteries. Parce que ben, y a besoin de recharger les batteries. J'ai même amené quand même l'ordinateur. Je continue à bosser. Donc là, après un petit repas, ben, écoutez, on vient juste d'apprendre que Monsieur Macron, pays européen, est ouvert. Et donc aussi, à partir du 1er juillet, sera ouvert aussi, puisque nous avons notre voyage à Bali qui est prévu le 20 juillet. Donc c'est pour ça que je vous fais un petit peu cette vidéo-là. Puisque nous avons reçu, donc je sais pas si vous avez pu voir la vidéo, nous avons reçu donc les terrains sur Bali. Donc on va pouvoir choisir et y aller pour directement choisir donc notre terrain pour la construction. Vous allez tout suivre, il y aura des vidéos. Voilà, il y en a qui veulent investir à l'étranger mais ils ont peur. Nous, ça fait déjà plus d'un an qu'on y est dessus. Donc voilà, ça va enfin se concrétiser. Je vous donnerai les chiffres au fur et à mesure. Il y aura des vidéos avec le constructeur, avec le commercial, quand on va aller visiter. Vous aurez des vidéos aussi, je vous ferai des vidéos quand on est à Bali pour faire visiter ce pays magnifique. Les Indonésiens sont vraiment top, ils ont absolument rien et ils vous donnent absolument tout. Vraiment une autre mentalité comparée à la France. C'est pas parce que vous avez plus qu'ils sont là à vous quémander, donc c'est vraiment quelque chose de super. Donc voilà, pour vous dire donc dans cette vidéo que tout est possible. Vraiment, tout est possible. Je le vois déjà moi avec mes élèves dans l'école, dans The School. Donc dans le descriptif de la vidéo, vous pourrez me poser vos commentaires. Je vous mettrai le lien donc de l'école. Je vois qu'il y en a des jeunes qui sont rentrés, des fous furieux, on va dire. Parce que voilà, je les accompagne, ils ont confiance. Donc ça, c'est super. On va visiter les biens ensemble. Voilà, je les accompagne vraiment de A à Z. Je suis pas le coach qui met ses formations et puis débrouillez-vous, c'est absolument pas, je suis là pour qu'ils réussissent parce que ben, leur réussite sera aussi ma réussite de l'école. Donc ça, c'est vraiment top. Surtout ce que je leur évite, c'est de faire des erreurs que j'ai faites au début sur certains points, donc leur faire économiser de l'argent, voilà, aller beaucoup plus vite que moi ce que j'ai pu en 18 mois faire. Donc déjà, ça a été très très rapide. Voilà, vraiment un suivi pas à pas. Ils ont un numéro de téléphone. Alors je sais pas si vous avez déjà vu un coach, moi non, qui vous laisse un numéro de téléphone direct avec un mail direct pour m'avoir. Voilà, il n'y a pas de tabou. Dès qu'ils ont un truc, clac, ils m'envoient tout. On regarde ça ensemble, on fait le bilan ensemble. S'il faut les appeler, on va faire assez régulièrement des zooms pour pouvoir discuter, leur proposer des choses. Ils sont rentrés dans l'école, ils n'ont rien demandé. Je leur ai rajouté des choses que moi j'ai pu, que je peux réaliser actuellement. Si vous avez vu une de mes vidéos donc sur Gujan, voilà, on a mis ça le dimanche à 23h. Voilà, on est le 14, c'était dimanche dernier. Il y a déjà moitié juillet, moitié pratiquement tout août de loué. Voilà, ça marche, ça fonctionne. Si vous n'avez pas de prêt, si vous ne pouvez pas obtenir de prêt, il y a une autre solution et je leur ai rajouté ça dans l'école.
Donc du coup, voilà, puisque bon, ben, certainement on est sorti de ce confinement, mais l'économie n'est pas encore là et on peut gagner de l'argent sans faire de prêt. Voilà, et pendant le confinement, je me suis formé et du coup, je le mets dans l'école. Ils n'ont rien demandé, ils ont ça en plus. Donc voilà, je ne suis pas avare de ce côté-là. Il faut savoir partager parce que ben, ils savent me le rendre derrière et ça c'est génial. Leur réussite est vraiment, vraiment top et moi, ça me fait plaisir. Et puis, je peux communiquer dessus, dire voilà, ça marche. Vraiment, ça fonctionne. La méthode, il faut la suivre. Vous formez bien, vous cherchez les bons biens. Et puis voilà, si c'est pas le premier bien, c'est pas grave, c'est frustrant, mais il y en aura d'autres. Il y aura toujours des biens à vendre. Tout dépend de ce que vous voulez, tout dépend de comment vous voulez avancer. Moi, j'ai leurs objectifs, je sais combien ils veulent gagner à fin 2021, donc c'est tout à fait possible. Voilà. Et puis après, quand vous allez arriver, vous pouvez faire plaisir sur des choses comme ça, là, comme je vous ai fait voir. Voilà, c'est vraiment à l'intérieur, c'est magnifique. Et en plus, moi, ça me donne des idées pour des futurs logements que l'on va mettre en Airbnb. Derrière ou en location professionnelle. Donc voilà, donc cette petite vidéo, peut-être que j'en ferai une autre demain s'il pleut pas, comme ça je la mettrai à la suite de celle-là. On a pris le petit repas, c'était super bon. Et puis voilà, on va se reposer tranquillement et puis demain on va aller se faire plaisir sur Bordeaux, faire deux trois petits magasins. Donc peut-être que ben, quand je vous mettrai la vidéo, ça sera déjà passé, mais voilà, il faut se faire plaisir. Moi j'ai beaucoup suivi dans des formations quand par exemple souvent quand vous faites du marchand de biens ou choses comme ça, par exemple, si vous faites une belle plus-value, si vous faites du marchand de biens, vous faites une petite plus-value, allez, vous faites une plus-value de 50 000 euros, vous faites plaisir, vous prenez, allez, ça dépend, entre 10 et 20% de la somme, que vous gardez, le reste pour réinvestir et vous faites plaisir. Je peux vous dire que ça vous met la patate, ça va vous faire avancer encore plus vite, vous allez vous mettre des objectifs encore plus haut et vous allez pouvoir y arriver. Mais par contre, j'en reviens toujours à la même chose et ça, je le vois. Faut se former. Si tu te formes, c'est bien. Pourquoi tu vas à l'école? Tu vas à l'école, c'est pour te former, pour apprendre quelque chose. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Moi, je veux apprendre l'anglais. Eh bien, je me forme sur l'anglais. J'ai acheté une application, je fais mon anglais, et puis voilà. Et après, mais qu'est-ce que ça me rapportera plus tard dans ce que je veux faire? Donc voilà, il faut vraiment se former. En plus, vous le savez, oui et non, tout le monde ne le sait pas, mais les formations que vous achetez, vous allez pouvoir les déduire. Mais ça, c'est par rapport à la fiscalité. Comment faire l'investissement? Et si vous ne vous formez pas, vous n'allez pas le savoir. C'est un peu le chien qui se mord la queue. Voilà, vous n'allez pas apprendre et vous allez dire, oh, ben, regarde, lui, il y arrive. Ouais, mais si lui, il est arrivé, pourquoi? C'est parce qu'il s'est formé. Donc voilà, mais écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Mais écoutez, sur cette vidéo, si ça vous a plu, les pouces, on partage, on like. Ça pourra peut-être aider des personnes autour de vous. Et puis moi, ça m'aide à mieux me référencer sur YouTube. Et c'est un petit coup de pouce que vous me donnez. Voilà, ça me fait plaisir. Allez, sur ce, à plus tard. Salut les amis. Salut les amis. Alors, comme je vous ai dit hier dans la vidéo, donc je vous le mets ça à la suite, je vais vous faire faire un petit tour du propriétaire, vous faire voir exactement là où on a pu passer une soirée avec le petit repas super sympa, une bonne nuit et ce matin, le petit déjeuner. Allez, on va voir ça ensemble de suite. Alors, comme vous pouvez voir là-bas au fond, il y a la cabane. Et ça fait, regardez, ce matin, hop, on avait en bas le petit panier et du coup on est allé le chercher pour déjeuner. Alors comme vous pouvez voir, super cabane. Alors moi je suis fan du bois, j'adore ça. Donc là on est en Dordogne et ils reprennent ces cabanes en bois reprennent sur certains châteaux, donc ça c'est vachement sympa de refaire un petit design de château de Montbazillac, plein de petits châteaux comme ça. Allez, on y va, hop. On ouvre la petite porte à galandage. Hop. Et voilà. Nous sommes dedans. Alors, nous avons. Voilà, bah, c'était le repas. Donc, nous avons un petit salon ici. Donc, bien sûr, il y a tout. Il y a cafetière, il y a tout ce qu'il faut. Hop. On a ici donc la chambre. Vous voyez, bah, ça bosse. Hein. Charge les télévidéos sur YouTube. Regardez-moi cette charpente. Moi, ça, j'adore. Superbe charpente. Voilà, donc la télé qui a servi juste pour écouter Monsieur Macron. Ici, donc la baignoire.
Hop, avec vue, donc bah, on est carrément dans la forêt, quoi, en contrebas. Voilà, la charpente. Nous avons donc les vasques. Là, la superbe douche. Voilà, kiff, moi j'adore les douches. Donc là, hop, la petite douche. Donc hier soir, je vous ai fait voir le spa. Et là, maintenant, on l'a pas testé. On a déjà fait la dernière fois. Mais là, on l'a pas testé. Donc vous avez, vous voyez, le sauna. Hop, pour mieux voir dedans. Voilà, ça c'est vachement sympa. Maintenant, nous qui faisons pas mal de Airbnb, c'est des petits trucs à mettre qui peuvent être sympas. Donc voilà, on a fait le petit tour du propriétaire. C'était super sympa. Bon, une nuit c'est un peu trop court, donc ben faudra faire autre chose. Mais là, c'est vraiment l'accueil est top, vraiment les cabanes sont super aussi. Donc voilà, mais écoutez, avec du travail, avec de la formation, des choses comme ça, c'est des nuits. Voilà, si vous voulez savoir où c'est en Dordogne, que vous voulez vous faire plaisir, vous faire un cadeau, ça peut être vachement sympa. Mais écoutez, vous mettez un petit commentaire en bas, vous me demandez, moi je vous dirai où c'est et puis le coût aussi que ça a. Coût de repas, le petit déjeuner est offert, les repas, parce qu'il y a plusieurs repas, on pourra vous mettre ça et pour aller regarder. Voilà, sur ce, passez une bonne journée. Allez, salut les amis.